Salut les amis, c'est Mike et Daniel. On va vous faire visiter, si on le peut, un superbe château qui est gigantesque. Bonjour à tous. Voilà. Là, on va y aller discrètement parce que on le connaît pas. On le connaît pas du tout. Alors, on va vous montrer ça. C'est parti. Magnifique. Ouais. C'était là, je crois. Vas-y, essaye de rentrer dedans. C'est juste une gaffe. Moi, c'est juste une pièce. Plus rien, ouais.
c'est chaud. Bien, ouais. C'est pourri. Ouais, il n'y a plus de plancher là. Là, c'est pourri là. Là, c'est mort. Imagine la tour. Oh, non, c'est trop dangereux. Non, non. Trop dangereux. C'est pas bon là. Voilà, maintenant, on va essayer d'attaquer le château. Ouais. Allez. C'est ouvert. Alors, on montre bien, on ne rentre pas par effraction, la porte est ouverte. Bon ben les amis, nous voici à l'intérieur. Château. Attendez, excusez-moi. Alors, regardez un peu les plafonds. Je vous fais une photo pour vous montrer. Je vais sortir ma lampe torche. Je vais vous poser là, les amis, parce que j'ai pas assez de projets. C'est beau. Ça, c'est magnifique.
Ah, bah non, 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 c'est bon. En fait, j'ai un truc à faire. Il y a un escalier qui monte, mais par contre, j'ai pas été encore. Oh putain, ouais! Ah oui, il y a son balèze en plus. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse l'autre côté? Ouais, si. Magnifique ça, ce château là, de le laisser dans cet état là, à l'abandon. Il y en a qui ont tagué dedans quand même. Hein. Franchement, ça c'est solide. Oui. L'escalier. Caméra, mais... je pense que... Non, non, ça c'est pas une caméra. C'est sûr? Non, non. Tu n'es pas si sûr? Hein? Tu n'es pas si sûr? Ah non, non. Ben non, regarde. C'est un truc rouge. Regarde, tu as les câbles. Oh là là. Je crois que c'est pas votre prochain lieu d'enquête. Parce que tu en penses, moi. Ah ben oui. Tout à fait. Tout à fait, Daniel. Nous allons faire l'enquête ce soir ici. Voilà, les amis. Hier, on n'a pas pu faire notre enquête. Mais là, on a été récompensé. Par contre, voilà, c'est un château qui appartient à une personne étrangère dont on vous dira pas qui c'est et qui l'a laissé à l'abandon depuis 80, depuis les années, on va dire 80. Voilà, donc ça fait plus de 30 ans, c'est à l'abandon et malheureusement il s'en fiche, il le délaisse totalement. Il le délaisse totalement. Dans ce château, mais la porte est fermée, il faut passer de l'autre côté, mais plus précisément dans les dépendances. Voilà, dans les dépendances, très prudent. Oh là là, petit couloir. Oh là.
fait peur. Oh, Daniel. Et je te parlerai après. Là, je sais ce que tu veux dire. Hors caméra. D'accord ? Oui, d'accord, j'ai compris. Ok. C'est cet endroit. Ouais, c'est pas possible. D'accord. Franchement, c'est pas possible. Ah oui. C'est immense, je pense que là, il y a le donjon au-dessus. Ah oui, je pense que c'est... On est sur le donjon. On est sur le donjon, là. Le donjon. On va aller voir le donjon. Ça me rappelle à la chambre 13, c'est pareil. Même escalier. Oh, dommage, ils ont coupé la tête. Eh oui. Malheureusement. Alors, c'est un peu plus délabré. C'est pas possible ça. Je te parle de la chambre 13 que ça me fait penser à ça. Malheureusement, les prennent l'eau. Et dès qu'il y a un bâtiment prend l'eau, ça fouille et c'est super dangereux. Même chambre, toute petite chambre. Ça n'en finit jamais. On en profite pour signaler au... de ce lieu on va revenir ce soir passer un moment avec vous pour tenter d'établir un contact. Voilà, on voulait vous le dire, c'est le but de notre venue aujourd'hui. Bon, vous pouvez déjà nous suivre si vous voulez. Restez un peu avec nous.
les amis, la chambre 13. Je crois que ceux qui ont fait les enquêtes avec moi à la chambre 13 se souviendront de l'escalier pour y accéder, qu'il y a un trou. Et c'est le même escalier, ça me fait penser vraiment à l'escalier de la chambre 13. Voilà, et regardez au fond, là je vous fais un zoom. La chambre 13, c'est exactement pareil. L'escalier est abîmé pareil. En fait, il a dû servir d'hôtel. Mais de toute façon, je vous raconterai son historique. Regardez. La vue qu'il y a. On se met pas trop dehors parce que enfin, beaucoup de pièces comme ça, beaucoup, beaucoup, la tapisserie, d'accord, hop. Sont pourris. Ah oui, là. On va faire attention. Nous, le repérage du jour. Voilà, c'est très très, c'est important. Très important. Le repérage du jour, ouais. Ah, ça monte encore. C'est une tour. Une tour ? Ah oui. Oh là là ! Regardez ça. Ça. T'as un accès direct. Après, on finit là, ouais. On finit ? Oui. On continue plutôt. On continue. Oula. Ben regarde. Le plancher. Oh là là là. C'est pour ça qu'ils ont mis une porte. Ouais. Fais gaffe. Tu veux que je vienne d'abord ? Fais gaffe à toi. Parce que. Non. Trop dangereux. Est-ce qu'on peut pas passer de l'autre côté ? Trop dangereux. Là, franchement, c'est dangereux. Ah oui, ils auraient dû avancer, ouais, mettre une deuxième porte. Un ascenseur. Oh là là. Vas-y, je te tiens. Il est bon. Non. Trop risqué. Trop risqué. Tu sais pas, on va pouvoir y accéder par l'autre côté. Ouais. Par ici. Je passe au moins là-dedans. Du moins à hauteur. Je savais pas. C'est du moins. Ça te rappelle pas une mieux ça? Si. Goldfinger. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié sa petite culotte. On est fou quand même. On est fou quand même. Voilà ce qu'on fait un peu. Je sais pas où est-ce qu'on va. Oh là là, ouais, ça me fait penser à la chambre 13. Ouais. Les amis, vous qui connaissez. C'est bien que tu ouais.
la chambre 13. Voilà, ça c'est des chambres de bonne, ça. Ça c'est des chambres de bonne. C'est moi, c'est moi. Ah oui, on est carrément sur la tour. On voit les petites murailles là. On doit pouvoir sortir à l'extérieur. Ah oui, mais... On peut grimper là-haut. Ils font des passages quand même, t'as vu? Montre et on essaie. Oh. Ah oui, ok. Et là-bas, non? Non, non. Ok. Non, mais il y en a, ils ont peur de rien parce qu'ils ont mis des petites planchettes par terre. Oh là là. Ils sont fous. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Très dangereux. C'est un endroit qui est très très beau. Mais là, qui ouais. Est très très dangereux. Et il y a l'escalier qui descend. Ah, il y a l'escalier. Non. Tu veux pas. Si tu veux. Non, 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 mais c'est bon, moi je peux prendre le risque. On va aller là-bas et. Moi, je suis plus lourd que toi en plus. Alors... Regarde, je vais te montrer la photo. Alors attends, on va grossir ça. Je me rappelle plus, c'est par là. Regarde. Ah ouais. Alors tu vois le trou là? Tu vois 10 mètres en dessous. Oh putain. Tu vois en bas. Deux petites planches comme ça? Oui. Ah, franchement. Donc, ils ont pas peur. Hein. Bah oui. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois l'étage du dessous. T'as pas loin de l'oreille, t'as ça pue. Donc t'as l'enfer bien fermé. Tu te lâches ? Ouais. Ça, c'est des chambres de bonne. Une chambre personnelle. De l'époque. T'es jamais allé, toi, à la chambre 13? Non. C'est identique. C'est fou. Hein. Ça me fait trop penser à ça. Ça, c'est beau. Une ancienne baignoire bébé. C'est beau, Daniel. Par contre, là, danger. Danger, danger. Gros danger, même, là, ici. Oh, putain, tu peux grimper encore là-haut, oui. Tu peux grimper là-haut encore.
Maintenant. C'est costaud, mais... Est-ce que... Regarde, tu peux monter là, regarde. Mais là, faut pas aller... Non. Même là, quand tu marches là... Oui, oui, là, ici, là, il faut marcher tout seul. Ça peut rentrer. Et bien ça... Là, ici, ouais. C'est dangereux, Mike. Ah, ben oui. Ça va faire vachement bien. On va faire super gaffe ici. Mais je pense plus qu'on va. Enfin, je pense pour moi, peut-être. Oui, faire les grandes salles, tout. Voilà, je préfère m'intéresser. Voilà, oui. Les grandes salles. Ça s'enfonce. Ah oui, ça. Les souris là. Ouais. La souris. Il doit y avoir de la bestiole ce soir. Attends, je vais prendre une photo avec mon téléphone. Je pense pas qu'on ait tout vu. Oui, oui, c'est la porte qui a fait. C'est toi ? Oui, oui, c'est la porte qui a fait. D'accord. Qui a cogné. Là, on retourne. En bas. Là, on était là. Est-ce qu'on descend au sous-sol ? Il y a un sous-sol ? On était là tout à l'heure. Ah, oui ? Ah, oui. Parce que l'escalier est un peu vermoulu. Ouais, t'as quelque chose en bas là. Hein. Bah oui. Ah oui, d'accord. Le sol. Ah oui, c'est par là. Ouais. C'est... Et les grandes pièces, c'est où déjà ? Les grandes pièces, c'est où déjà ? Ah si, c'est par là. Tu sais quoi, on va. Tu sais, comme j'ai un K2, j'ai le pod, j'ai la spirit. On va faire une séance ici. Je pense que ça serait très bien. Allez, on va poser les cams. Parce que moi, je vois rien.
ai installé plusieurs appareils. Voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Les trois appareils qui font des lumières vertes, si vous en approchez, ils clignoteront. Cela voudra dire que vous êtes bien présent avec nous. Ensuite, vous avez un autre appareil, le plus gros, qui est au centre des deux autres. Si vous vous en approchez, vous pourrez dire un mot grâce à votre énergie. Là, vous pouvez nous répondre par oui ou par non. Et l'autre appareil qui est juste à côté avec une lumière rouge, si vous en approchez également, il vous détectera. Est-ce que vous êtes présent avec nous ici dans ce superbe château? Si c'est le cas, touchez l'un des appareils, s'il vous plaît. Est-ce que votre présence vous dérange? Non, monsieur, une batterie externe, mais je pense que... Je fais un deux. Éventuellement, c'est une action de votre part, je parle de l'extinction de la caméra, pour nous faire comprendre peut-être quelque chose, vous pouvez éteindre la mienne, celle qui est sur le petit comptoir en bas. Et là, ça sera vraiment une très forte confirmation. On aura compris que vous ne voulez pas qu'on vienne ce soir passer un moment avec vous. Éteignez-la tout de suite, s'il vous plaît, on comprendra. C'est un jeu. Ah, si, c'était pas de... conscient que vous avez peut-être besoin d'accorder, de nous accorder votre confiance. Sachez que nous, déjà, on vous fait confiance et on vient dans le respect. On vous respecte énormément. Donc n'ayez pas peur de nous. Notre venue est... dans ma main avec mon téléphone. Avec cet appareil, vous pouvez communiquer avec nous.
présent. Essayez de nous répondre par oui, s'il vous plaît. B, oui, c'est une des lettres de ce lieu. Vous pouvez nous donner la dernière, s'il vous plaît. La dernière lettre de ce mot, s'il vous plaît. Ça serait sympa pour avoir un premier échange avec vous. On vous laisse le temps. On sait que ça vous demande de l'énergie. Vous pouvez en prendre sur les matériels, peut-être un peu sur Mike et moi, mais vous nous en laissez un petit peu, s'il vous plaît. Nous avons aussi un autre appareil qui peut être plus simple pour vous pour communiquer. On va vous le préparer et on va vous expliquer le principe de fonctionnement de cet appareil. C'est comme une petite radio. Et grâce à cette radio, vous pouvez communiquer avec nous. Dans le bruit blanc de cette radio, je vais vous la mettre en marche, comme je ne vais pas mettre le son trop fort. Elle est brûlée, elle est brûlée. Donc, si vous êtes présent avec nous, vous pouvez nous le faire savoir en utilisant également cet appareil. On vous écoute, je vais le poser là-bas devant.
Est-ce qu'il y aurait le maréchal duc présent avec nous ici, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Daniel. Moi, c'est Marie. On est ravis d'être avec vous. Comment est-ce que vous appelez ce que vous êtes? Pas très bien compris. Thank you.
Bon. En attendant, on vous remercie. De nous avoir montré quelques petits signes, peut-être qu'on se fait voir dans la radio. Et aussi de nous avoir parlé dans la... Voilà, de nous avoir donné la première lettre. Ainsi que là, on va dire la dernière lettre, parce que je ne sais pas s'il y a une... À la fin, A. Je sais pas donner. D'accord. Tu vois ? D'accord. Voilà. Donc vous voyez, on est en train de se poser une question et on sait qu'on a énormément à apprendre de vous. Voilà. Donc on vient vraiment en toute humilité. Alors on va revenir ce soir. Voilà. Avec d'autres appareils. Voilà. Et puis on va essayer, encore une fois, si vous nous permettez, de rentrer en contact avec vous, qui êtes dans ce monde parallèle, invisible. Voilà. Donc, on vous dit à tout à l'heure, et si vous avez une dernière chose à éventuellement nous dire, vous avez encore un peu le temps de nous le faire savoir dans l'appareil du milieu, par exemple, que vous avez déjà visité. Le nom déclenché. Je vais pas contrôler. J'ai vu quelque chose passer très oui. Ah, c'est une chauve-souris. Voilà. D'accord. Ok. Parce que le problème, c'est qu'il va aller dans l'eau. Hein? Les plans de drogue? Ah oui. Ah oui. Parce qu'on ne pourra jamais en faire sinon. Ah, c'est ça. Et ça va nous faire rentrer jusqu'à tard. Moi c'est Mike. On est ravis d'être avec vous. Comment peut-on vous appeler s'il vous plaît? Parlez-nous s'il vous plaît. On n'a pas très bien compris. Avant qu'on s'en aille, vous voulez bien nous faire un petit signe, s'il vous plaît. Allumez un des appareils. Par exemple.
Voilà, les amis, ça y est, l'exploration de jour, le repérage de ce magnifique château est fini. Voilà. Maintenant, on va rentrer à la maison parce qu'on a 1h20 de route. Il faut qu'on recharge un petit peu le matos. On se prépare et on revient ici ce soir avec Daniel. Voilà. Allez, bisous à vous. Ciao, ciao.